Bienvenue pour l'étape 7 avec Kwiatkowski. Et nous allons partir dans l'échappée aujourd'hui parce qu'on va essayer de prendre des points. Donc, dernier épisode, on a perdu le maillot jaune avec Landa parce qu'il est toujours mal placé. Voilà, s'il était bien placé, on aurait peut-être pas perdu. Mais on va essayer de le regagner aujourd'hui. Mais en tout cas, on va essayer de prendre le maillot à poids. Il vaut mieux s'être bien échauffé aujourd'hui car à peine quelques kilomètres après le départ, les coureurs vont affronter successivement le col de Champ-Laurent et le col du Grand Cucheron. Là, ça y est, déjà qui partent. Galopin, Vaclans. Héroglic. Ça l'a bien parti, t'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Ok. Alors les protections derrière. Row, c'est pas une bonne idée. Thomas. Merci. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en. Attendez les gars, 2 secondes. Oh. Allez, on simule. Donc on est 5 avec Backlands, Roglic, Galopin et Amador. Le coureur qui franchira en tête le sommet marquera 10 points supplémentaires. Bon, oh, ils perdent déjà de l'énergie. Oui, ils sont revitaux comme ça. Ça va plus longtemps possible avec nous. Bon, niveau punch, normalement on les bat tous. Hein. Ouais, grande montagne derrière. Alors, je me demande, c'est pas la croix de fer qu'on va grimper. De leur catégorie. Bon, on dirait que c'est un col très constant. Attends, on va se mettre comme ça. Alors, on va commencer à rouler à fond. C'est plus important que le deuxième catégorie, donc je préfère tout me dépenser sur celui-là. Et ça commence à partir bientôt. Backlands, c'est déjà un peu usé. Oh, Backlands, qu'est-ce que tu fais là? Non, non, non. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Les coureurs disposeront d'un bref moment de récupération dans la descente, menant au dernier kilomètre du Grand Cucheron. Oui, Kikato. Déjà 5 km du prochain grimpeur. Attaque en tête du peloton. Oh, Kieserowski attaque, il n'y a plus qu'un point à prendre. Le coureur qui passera en tête au sommet du col empochera 5 points pour le tour de la montagne. Ils vont rejoindre les deux, Kieserowski et Maxime Bouet. Allez,
On va aussi passer en tête du classement du sprint intermédiaire, hein, évidemment. Parce que je vais quand même conserver mon maillot vert. Le maillot distinctif, ce sera encore mieux qu'un. Ouais, allez, on les bat tranquille. Non, il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Ah, je suis sûr que j'ai appuyé sur L2. Bon. Deux points en moins, c'est pas trop grave. C'est pas grave, si on perd à deux points contre Amador, je serai un peu dégoûté. Ah, si on perd à deux points en général, je serai dégoûté. Mais ok. Je disais, on les bat tranquille et bam. Il s'arrête. Faut jamais avoir le doigt sur L2 en fait dans le jeu. Sauf dans les descentes. Bon, maintenant, sprint intermédiaire, prochaine étape. Rowe qui est déjà lâché. J'aimerais bien voir quelle note il a Galopin. Tout ça c'est Amador, ok. Galopin, nous on est là, 35ème. Galopin il est loin, eh. Il est là. Montagne 74, putain, il était bien meilleur avant, je crois qu'il était... Il y avait quoi, un 78 avant? Genre dans Tour de France 2015. Vallon, il est toujours assez bon puncher. Mais... Genre Calmejean a la même note que lui, quoi. Même Romain Sicard est meilleur que lui. Tant Sicard est pas si bon que ça, tu vois. Il jouait à la Scatel Scadi, il courait. J'aimais bien la Scatel Scadi, mec. En plus, il y a plus d'équipe orange maintenant. Ah, ce sprint est vachement foupé en montant. Il monte même, il grimpe. Hein. Le mec il est en animation comme s'il était sur une montagne. Ah, c'est le col de la Madeleine. Ok. Je connais. Ça va. On se met à 2 km, mais faut quand même surveiller le peloton. On dirait en dessus les attaques. Par son versant sud, un versant à la pente forte et constante où les moments de répit d'ailleurs n'existent pas. Il est le mieux classé pour les grimpeurs dans l'échappée. Mais c'est lequel qu'on grimpe dans Gap Saint-Jean-de-Maurienne comme Cole. Bon là par contre niveau montagne c'est pas sûr qu'on tienne. Hein. Tout le monde à part soi pour l'instant. Ah il a deux protecteurs, parfait, ça c'est bien ça. Tac, je suis les attaques ça va. C'est bien calme tout ça. Si on était dans un jeu vidéo, on accélérait le temps jusqu'à la dernière difficulté. Bah là j'accélère le temps. Allez, 2 km. On va rouler à fond. Ah ouais, il reste 10 minutes. Il y en a 2 minutes d'avance. On va même attaquer. Plutôt, vu qu'on a un gel rouge. Ah, ils ont suivi derrière.
Ça leur a peut-être fait un peu peur. Allez hop. C'est un homme seul qui devrait basculer en tête au sommet de la Madeleine. Ah, j'ai encore freiné. Ah, j'ai pas vu sur L2, j'ai lâché R2. Allez, Kiato va passer en tête de ce col de la Madeleine. Tu viens de prendre la tête du classement des meilleurs grimpeurs. C'est bien. Continue comme ça. Allez. La descente est longue. L'alternance entre forte et faible pente oblige à gérer ses efforts pour ne pas perdre d'énergie dans cette descente. Oh, Landa a suivi une attaque, hein. Ah ouais, mais mec, ah mince. Il a pas suivi des bonnes attaques. Il a suivi des attaques de grimpeurs. Pas de gens, de personnes qui attaquent pour le meilleur grimpeur. Alors, attends le groupe derrière. Thomas aussi, je sais pas ce qu'il fout en fait, hein. Bon, Landa, ce sera bien que t'attendes quand même. Dans une grosse pente. Allez. C'est bon, ils sont rentrés. Prends ton ravite, mec. Voilà. Ah mince, par contre, Pantano, il m'a eu à poids, quoi, le mec. En fait, t'as même plus besoin d'être là. Hein. La tête de course entre dans la zone. Du coup, maintenant, tu peux suivre les attaques. Pantano est rentré. Ah, c'est chiant que Pantano soit avec nous. Le prochain sommet est classé en première catégorie. Les 6 premiers marqueront 10. Non, en fait, Landa reste bien dans les roues. Parce que de toute façon, on le rattraperait. Donc, go. Là, ça doit être le dernier qu'on peut vraiment prendre des points. On va dépenser un objet pour ce pour celui-là. Allez, il ne nous rattrape pas.
Voilà. On sera maillot à poids demain. Mais on sera aussi maillot vert, du coup. Maintenant, on va simuler jusqu'au pied du col. Attendez. Il y a un truc qui fait du bruit, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est rien, ça a l'air d'être rien. Non. Pas grave. Allez. Ça va être le vent. Pourquoi on roule avec Kato là? Je vois. On est plus que 3 devant. Hein. Donc Landa, là, on va lui dire dessus les attaques. Et c'est parti pour la dernière ascension du jour, la montée vers Méribel. Eh, mais je connais la montée vers Méribel, j'ai entendu parler de ça. Je pense pas que ça sera suffisant pour aller au bourg. Nous on a plus de gel, faut faire gaffe quand même. Oblique à attaquer. Allez. Ah, attention des attaques. Mais qu'est-ce qu'il fout Landa? Il suit pas les attaques. Attends, est-ce qu'il perd la barre rouge? Non, même pas. Landa, faut que t'attaques. Qu'est-ce qu'il fout? C'est bon, c'est revenu. C'est elle qui commence à attaquer. On est parti avec porte. S'est fait rattraper. Landa, on va lui dire de rouler à 80. On va le laisser comme ça. C'est quoi? Mais que Thomas se protège toujours. Hein. Ok, je vais le protéger. Ok, merci. Allez les gars, allez les gars. Bravo les gars, on y va, on y va. Je vais relayer. On va rattraper Primoz bientôt. Ah bah Thomas s'est lâché, très bien. L'homme de tête a 1 minute 30 d'avance sur les favoris. Dégage, je m'adore. C'est juste là les mecs. Allez. On a rattrapé Primoz. Enfin presque. Parce qu'ils sont juste derrière. Ah non, il reroule Primoz.
Nous on se fait rattraper par le groupe Bardet. Faut ramener le groupe de derrière. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Non, faut ramener. Yeah, ça réattaque. Lambda est bien là. Prends ton gel et suis les attaques. Non. Défense de Roglic. Il faut qu'on se sacrifie. Mais en même temps, faut essayer d'en garder un peu pour l'échapper de demain. Quand on est parti là, plusieurs. C'est craqué, on est 3 Sky. Et Nao va bientôt craquer, moi aussi. On est avec Bardet. Et Nao finit tranquille. Et moi aussi. Lambda! Lambda! Te laisse pas avoir! Lambda roule à fond, mec. Enfin, roule pas à fond, non. Roule à 90. Le pire, c'est que j'ai vu sa récup à Lambda et il est pas trop mauvais, quoi. Il y a un 80 de récup, le mec. Si, ouais, sa résistance, son endurance. Le plus vite Lambda. Ah mais c'est chaud, il a plus de... Non, faut pas qu'il roule plus vite, non. Il a plus de barre, le mec. Ils sont 3 devant. Lambda à 15 secondes. Oh, Lambda, t'es à 100. Chou de gérer comme ça. Oh, défense de Bardet. Sans que ce soit Uran qui tombe en défense. Et Nao est toujours avec nous. Lambda avec Bardet. Et on va encore perdre du temps. Sprint, hein. Écoute. Prends ton gel rouge et attaque. Il veut pas attaquer. C'est quoi, roulasson? Ça tu veux? Oui. Non, il veut pas. Putain. On va lui dire de faire ça. C'est ouf. Mais le mec veut pas écouter.
Il veut ça? Okay. Non. Full sprint, s'il vous plaît. Bon, se faire rattraper par Dan Martin. Ouais, et enfin arrivé, faire encore quatrième. Comme l'étape d'avant, non, j'ai pas envie de finir en défense, quoi. Richie Porte gagne. Jakob Fuglsang qui va finir devant son leader. Très bien. Et on va simuler. Ouah, ma clé est loin. Raw et hors délai. Bon. Ah non, il est plus. Il va peut-être le finir. Hein. Ce qui est encore loin. Il est en défense constante, le pauvre. Ouais, bientôt arrivé. Voilà, il est là. Pas hors délai. McLay va sûrement être hors délai. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Il joue les maillots à poids cette année. On va le regarder parce qu'on le voit. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Bon, du coup, malheureusement, on va pas le porter vu qu'on a le maillot. Mais on l'est quand même, tu vois. Donc c'est pas très grave. On pouvait espérer mieux qu'un top 5 aujourd'hui. Le podium me semblait envisageable. C'est dommage. On perd une minute, une. Hein. Là, le maillot jaune, ça a l'air un peu foutu, sauf si on est en excellent de forme. L'étape d'après. Oh, on était quand même en bonne forme. Hein. On n'arrive à rien faire. Il est vachement nul, quoi. Sauvegarde. Allez. Est-ce qu'il y a d'heure délai, du coup? Non, pas d'heure délai. Si. Si. Mais ma clé, il a pas fini dernier avec ma clé. Ah non, il a pas fini. Ah, c'était le premier non hors délai. C'était le premier hors délai. Il a 36 secondes de pas être hors délai. Quittez hors délai. Démarre hors délai. Ouais. Notre équipe, c'est bon. C'était quoi hors délai? Vous êtes quoi? 55, 54, je sais pas. Bon, classement général, 1.21. Panda aura toujours maillot jaune. La maillot à poids, on a 50 points. Le deuxième, on a 32. Maillot vert, il est gagné. Maillot blanc, c'est toujours Yates. Pour moi, c'est gagné pour lui. Et Sky, toujours meilleure équipe. Donc, c'est toujours nous. Meilleur combatif, c'est nous. Attends, on a attaqué dans combien d'étapes? Que dans celle-là, non? Bah oui. Ah non, parce que l'étape on a gagné. Non, non, non. Parce que ça compte. Tant qu'on est devant, ça compte. Ouais, donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le like, le commentaire, de partager et surtout de vous abonner. Je vous dis à demain pour l'étape 8.